Comme ça, j'ai l'air plus grand, contre-plongée, grand ancien. Allez, je vous convie à une ouverture, explication, découverte plutôt détaillée de Cthulhu Wars, qui est un Kickstarter qu'a reçu Kevin, hein, notre acolyte préféré. Et vu qu'il a lourdement insisté, j'ai fini par passer chez lui pour regarder ce qu'il y avait dedans, et franchement, il avait raison. Au passage, on vous proposera d'ici la fin du mois de février un let's play. Allez, venez découvrir cette merveille. C'est parti. Allô, 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 allô. Non, ça c'est la macro. Salut Kevin, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ami cultiste. Ami cultiste. Bonsoir. Du démon. Voilà. Le démon. Du démon. Bon, et eh ben alors, comme je l'ai dit dans la petite vidéo à laquelle tu n'as pas participé, tu as lourdement insisté pour présenter ce truc à saucisse là. Oui, ce jeu un peu hors norme. Allez, dis-moi tout sur Cthulhu War, moi que je ne connais absolument pas, je connais que ce que tu m'en as dit. Kickstarter, je te laisse la parole, moi j'y connais rien et j'ai hâte qu'on Alors, déjà pour la petite histoire, ouais. Cthulhu War a été fait par Sandy Peterson. Peterson, c'est quand même le créateur du jeu de rôle Cthulhu. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez sérieux et qui connaît très bien le mythe. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé pour plusieurs boîtes de jeux vidéo, donc Doom, Quake. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est depuis fort longtemps dans le milieu du jeu, et que ce soit vidéo ou jeu de rôle. Donc en gros le mec il est en place quoi. Voilà, il connaît un peu le métier. Et il s'est lancé donc dans ce jeu. Alors ce jeu, ce qui est un peu spécial par rapport aux autres jeux du mythe, c'est que dans les autres jeux du mythe, en général, on fait des investigateurs qui affrontent le mythe. Demeure de Mais l'épouvante, tout ça, ouais. tout ce qui est l'appel de De tout, ouais. Cthulhu. Le jeu a pris le parti pris que tous ces investigateurs ont échoué. Et c'est l'apocalypse. D'accord. Ah oui, Et donc d'accord. les grands Alors, c'est qu'on est anciens arrivent après, sur on est même un. après la dernière heure, quoi, le dernier jeu qui est sorti, quoi. Voilà, ben là ils ont échoué, Ça donc down, c'est. quoi. D'accord, ok. Les grands anciens arrivent sur Terre, et par contre ils vont se battre joyeusement Entre eux. entre eux pour savoir qui reste sur la planète, et tous les autres ils vont repartir faire dodo. Donc en gros, là, la promesse, c'est du Beast Warrior de dingue. Non, c'est plutôt une espèce de risque où chaque joueur va prendre une faction qui est souvent contrôlée par un grand ancien ou D'accord. des grands anciens, et on va se battre pour prendre le contrôle de portails qui vont nous D'accord. rapporter des points d'apocalypse, et en fin de partie, celui qui a le plus de points d'apocalypse gagne. Excellent. C'est des parties qui se jouent à combien de personnes? Alors dans la boîte de base, on peut jouer à 4, Ouais. et après, pour l'instant, on peut jouer jusqu'à 8 si on a des factions supplémentaires. Toi, tu as fait un all-in. Ben voilà. D'accord. Depuis là maintenant, j'ai la totale en français, donc j'ai 9 factions. 9 factions. D'accord, ça se regroupe en combien de boîtes en tout? Alors c'est là qui est assez énorme parce qu'en fait en termes d'extension, tu as des extensions qui rajoutent des factions supplémentaires. C'est ce qui est le plus intéressant. Moi je le conseille pour les nouveaux joueurs. Après il y a des factions, des nouvelles extensions avec des monstres indépendants supplémentaires. Ça j'expliquerai un petit peu après. Des grands anciens indépendants aussi. Des nouvelles cartes. Parce qu'il n'y a pas que la Terre, mais on peut aussi se battre sur Shagai, sur Yugoth, dans la bibliothèque de Céléano, donc c'est en rapport bien sûr avec le mythe. Et aussi un dernier type d'extension, c'est les extensions cosmétiques, qui vont D'accord. rajouter franchement que de la beauté du Que jeu. du Ouais. goût. Ouais. C'est des parties qui durent combien de temps? 2 heures, 2 heures Ah ouais, ouais, c'est genre, on est parti pour quand même, quoi. demie. Par rapport à d'autres jeux qui sont un peu dans le même style, c'est quand même beaucoup plus C'est court. beaucoup plus Ouais. court. Et est-ce qu'il y a besoin d'avoir des connaissances de l'univers de Cthulhu en général pour appréhender ce jeu-là ou enfin pour appréhender? J'imagine que quand on l'achète, c'est parce qu'on a quand même une petite sensibilité dans cet Oui. univers. Mais si nos épouses voulaient jouer à ce jeu-là, il n'y aurait pas de problème, quoi. Bah, pas de problème. D'accord, ok, Le super. système de règles est simple. Après, ce qui est compliqué en fait,
Bah, c'est de connaître sa faction et de connaître les autres factions. Oui, mais ça arrive en choix. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le verso du jeu, de la boîte Je risque d'éventrer la boîte parce que. C'est vrai. Pèse. Ouais, elle est énorme. C'est Énorme. assez hallucinant. Ouais. C'est vraiment une grosse, grosse truc. Bah écoute, je te laisse nous faire voyager. L'ouverture. Allez, vas-y. Bon, je vois que tu t'es déjà bien amusé quand même. Oui, voilà. Alors, vas-y, raconte-moi. Alors, ça, c'est la map. Alors, Alors, là, un parti pris on graphique. va enlever ça. Voilà, et puis, vas-y, montre-nous ça. Ici, là. Ah oui, c'est vraiment. Oui, alors, c'est notre terre, mais ce qu'il en reste, quoi. Oui, voilà. On va pas se mentir que on a connu des jours On a meilleurs. connu des jours meilleurs. Alors pourquoi la map est assez grosse? Parce qu'elle a des grosses figurines. C'est ça qui fait un peu aussi le sel du jeu. Ben, c'est que tout est en rapport avec les grands anciens. Je vais Donc là, des passer, grosses je vais figues. montrer un peu aux gens. Ouais, ça fait vraiment grand plateau, quoi. Vas-y, hein, continue, hein, ça t'occupe pas de moi. Voilà, là, des grosses figues. On va avoir vraiment une énorme sensation de puissance quand on va réussir à sortir certains monstres et surtout ces grands anciens. Ou quand on connaît un peu les règles, on se dit, mais quand lui il va sortir, on va rouler sur tout le monde. Et donc le jeu est très bien fait de ce côté-là où on a cette sensation de puissance qui est vraiment sympa à jouer, quoi. D'accord. Tu disais, ça ressemble à un risque. Effectivement, là, de prime abord, on reprend un peu nos repères avec les Voilà, des zones. zones. Toutes les zones, on peut y aller, hein, ça a beau être continent, il n'y a pas de problème. Et aussi, c'est recto verso, parce que c'est en rapport avec le nombre de joueurs. Non. Ah oui, donc du coup, les continents ont plus de cases. Voilà. Plus on joue, plus il y a de cases par Voilà. continent. Ok, d'accord. Sinon, déjà qu'on se marche un peu dessus, mais sinon, ça serait l'apocalypse. D'accord. Je me permets. Ah ben vas-y, vas-y. Hein. Putain, c'est beau. Alors là, par exemple, justement, ça c'est quelque chose d'un peu spécial, parce que le bouquin de règles n'est pas comme ça. Ça c'est la dernière édition pour l'instant qui est sortie, où là, toutes les règles. Alors, déjà, chose très importante à dire, le kick est relancé, tu disais. Oui, le kick est relancé pour 3 semaines, 1 mois. D'accord. Par contre, la grande partie du kick, c'est en anglais. D'accord. Là, c'est en anglais? Non, tout ça c'est en français. Mais malheureusement, Nana ben... mère, il fallait y penser avant. Et le souci, c'est que Sandy Peterson a toujours voulu faire du français. Ouais. Mais le problème, c'est que là, à un moment, il faut être Rentable. rentable. Et Donc donc, il a abandonné. il a fait son petit geste voilà Voilà. de ouais bouquin Et rigide il a fait un geste, surtout, et ça, je tiens à le dire, à le remercier, quelqu'un qui est dans la communauté française de Cthulhu, qui s'appelle Pete. Et sans lui, on n'aurait jamais eu de version française. C'est quelqu'un qui s'est toujours déchiré pour que tout soit en français. Donc je tiens à le remercier parce que fallait le faire quand même. Ah. Donc là pour l'instant, là. Magnifique dédicace pour un frère disparu. Oui. Donc là, toutes les règles et tout ce qu'il Oh faut. là là. Déjà, rien que ça, c'est un super beau livre, quoi. Hein. Ça brille pas? Ah, c'est génial, en plus, ça brille pas pour les gens. Pour les abonnés. D'accord, ok. Ça a l'air assez dense, non, quand même, à appréhender. Non, 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 tu vas voir ce que là, beaucoup, en fait, ils ont fait beaucoup de photos sur le matos. Et là, beaucoup d'exemples sur les combats, histoire d'être Très vraiment. didactique alors. Ah oui, non, franchement, il est bien fait. Et les règles sont, tu vas voir, assez simples. Ça, c'est le Dorplan. C'est une des factions. D'accord. On regardera les figurines hein, à un moment. Pour l'instant, on va parcourir. Vas-y, on t'écoute. Donc après, dans la boîte de base, il y a 4 factions. Tiens, on va retourner un peu parce que c'est là où il y a la différence. Donc 4 factions qui jouent différents. C'est ça aussi la force du jeu, c'est que chaque faction se joue différemment les unes des autres. D'accord. Donc ça, c'est pareil, c'est un point assez important. Quand je dis différente, c'est vraiment tout est différent. Il n'y a pas une seule figurine, pas un seul monstre qui ressemble les unes avec les autres. Les mécanismes de jeu sont différents, c'est du style pierre-feuille-ciseaux, non? Ou Non, non. Là, par contre, les phases de combat sont pareilles, mais tu vas avoir des factions qui vont plus se jouer vraiment en combat, d'autres qui vont se jouer un peu bah, plus défensif, d'autres qui vont jouer
je suis le relou, j'emmerde tout le monde. Ah, elle est pour moi, celle-là. Ah oui, bah, celle-là, tu... bah, ça, c'est le chaos rampant. C'est D'accord. Yaratotep. Lui, c'est l'insupportable de la boîte de base. On les regarde, tiens, rapidement. Donc, alors, tu disais, ouais, donc, chaque faction chaos rampant a son petit plateau. Donc, sur chaque plateau, il va avoir la piste des points de pouvoir. Ouais. Les points de pouvoir permettent de faire des actions tout au long du jeu. Le pouvoir spécial de la faction. Tout ce qui correspond à la faction, donc les adorateurs. Parce que là, quand même, il reste quelques humains sur ouais, la planète. Qui ont, sont là en train de... des saloperies, ils ont... Ouais. Ils prient histoire de tenir le plus longtemps possible. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est les unités les plus pourries du jeu. Mais c'est aussi grâce à elles que tu vas gagner. D'accord. Parce que eux, elles, elles te rapportent des points de pouvoir. Et les points de pouvoir, c'est la clé pour gagner. C'est ce qui te permet de déclencher des trucs, ouais. T'as les adorateurs, t'as les monstres. Chaque monstre est différent d'une faction à l'autre. Et tu as ton ou tes grands anciens. D'accord. T'as une faction dans la boîte de base qui a deux grands anciens. D'accord. Donc on est bien d'accord hein, que chaque faction a des figurines qui lui sont propres. Oui. D'accord. Next. Donc, t'aimes bien les chaos rampants, on a compris que c'était ouais, avec bah, eux que tu bien, voulais montrer, bien. Vas-y. Le petit symbole pour voir où on commence dans la partie. D'accord. Et les grimoires. Ouais. Pour gagner, donc, comme je disais, il faut un maximum de points d'apocalypse, mais il faut aussi réussir à ouvrir ces 6 grimoires. Les grimoires, je vais te montrer si j'arrive à la trouver. Cette vidéo est merveilleusement bien préparée. Voilà, il y a 6 grimoires. Chaque grimoire aussi est différent d'une faction à une bien autre. Bien sûr, ouais. Attends, je vais peut-être m'approcher comme ça, que les gens... Hop. Ouais, d'accord, ok. La façon d'avoir ces grimoires est toujours fixe. Par contre, dans l'ordre où tu veux les grimoires, c'est différent. En tant qu'action, pour ce round, dépenser 4 points de pouvoir. Voilà. Donc, au lieu de faire une autre action, tu vas dépenser 4 points de pouvoir et tu vas pouvoir choisir n'importe quel grimoire et le mettre. D'accord. Et un grimoire, ça fait quoi? Et chaque grimoire, en fait... Déplacer immédiatement au moins une horreur chasseresse depuis n'importe quelle zone jusqu'à la zone de bataille. D'accord. Chaque grimoire, en fait, tu vas avoir sur ces 6 grimoires souvent un ou deux grimoires qui va booster encore plus ton grand ancien. Un grimoire qui va correspondre à chacun de tes monstres. Donc si tu as 3 types de monstres, en général, tu as 3 grimoires qui correspondent aux monstres. Un chacun, quoi. Et enfin, le ou les derniers grimoires qui vont booster ta faction. D'accord. Donc, tout au long de du jeu, tu vas devenir de plus en plus puissant en ouvrant ces grimoires. Donc, il faut les 6 grimoires et le maximum de points d'apocalypse pour gagner. D'accord. La progression, elle est équilibrée dans le jeu? Tout le monde progresse plus ou moins à la même vitesse ou, Non, tu as des factions comme... Qui montent plus vite. Le grand Cthulhu, lui, c'est Blitzkrieg. Il en faut le. On va passer un petit peu au. Donc. Attends, au juste faction. Une chose derrière, un ah petit oui. peu de fluff. Un petit peu de fluff. D'accord. Qui est vraiment sympa aussi. D'accord. Donc, ça, on avait dit relou. Pourquoi relou? L'insupportable. Alors, pourquoi? Il a des grimoires qui lui permettent de demander aux autres de gagner encore plus de points de pouvoir. Oh, c'est bien ça. Voilà. Ah ouais, c'est relou. Un peu insupportable. Ouais, d'accord, ok. Il est insupportable parce que quand tu fais une bataille, toutes tes unités vont pas forcément mourir. Elles vont devoir aussi retraiter. Ouais. Bah, quand Yaratotep est là, c'est lui qui va choisir où tu retraites. Donc c'est relou. C'est relou. Voilà. Donc il a tout plein de petits D'accord. machins comme ça. Ouais, et ouais. ses monstres aussi, ils sont relous. C'est pas pour moi, en fait. Bon. Non, c'est trop subtil. Ah bah écoute. Je pense que ça, c'est plus pour moi. Le grand Cthulhu, lui, elle est pas forcément plus facile que les autres. C'est là où le jeu est difficile. Donc, c'est pas pour moi non plus. Mais je dirais que c'est la faction qui est peut-être la moins frustrante. Parce qu'au moins, ouais. tu peux te battre. Ouais. Au moins, tu c'est peux pas faire fragile. Ça. Voilà. Bon, bah, c'est pour moi. Toulouse, tous ces monstres, bourrin, ouais. ils savent se battre. Ouais, c'est ça. Ça, au moins, il n'y a pas de problème. Il sait se battre. Ses grimoires sont en rapport pour que ces monstres soient encore plus forts. Encore ouais, très plus bien. Forts. Ouais. Et Cthulhu, ce qui est bien, c'est que le grand ancien Cthulhu, une fois que tu l'as ramené une fois, il va coûter moins cher à invoquer plus tard. Alors que les autres sont chers. Moi, tu vois, quand j'ai commencé War Machine, je jouais mes notes et puis après, j'ai joué Cador.
Traduction, Doc, parce que ça, je veux bah, en gros, je suis passé de à ça à ça. À ça, bon, voilà. Ok. Et lui, le grand Cthulhu, donc, a ses 6 grimoires très rapidement. Hmm. Ouais, en fait, voilà, c'est ce que je disais, ouais. Au premier tour, il va avoir un grimoire. Hmm. Et une fois qu'il va avoir 5 grimoires, il va avoir son 6e gratos. Le 6e gratos, ça, d'accord. Okay. Ça déséquilibre pas trop le jeu, ce genre non, de non, truc. Non, non. Parce qu'il faut jouer avec. Mais tu. Quand tu feras une partie, j'espère qu'on en fera une. On en fera une, ouais. Alors, on en fera une, on fera une partie d'initiation. Je ne suis pas un grand fan des let's play sur la page, même si je m'étais engagé à en faire un peu plus, mais c'est extrêmement chronophage. Mais là, moi, je suis super intéressé par le jeu, puis je pense que tu vas insister lourdement. Donc, Faut qu'on le fasse avec l'équipe, franchement. Non, on va le faire avec la team. On va le faire avec la team. Donc voilà, c'est prévu pour fin février, c'est ça. Fin février. Hein, donc, vous impatientez pas trop. Me demandez pas toutes les semaines pour quand c'est. Fin février, on a bloqué un truc où on enferme les enfants et les femmes dans un placard, ouais. Et où on se réunit, dans une autre dimension, voilà, et on réunit la guilde et on fera une partie. On fera une journée jeu. Voilà. La chèvre noire. La chèvre, alors c'est le petit côté féminin du jeu. Oh, c'est sympa, mignon, voilà. Oh, c'est mignon. Ce sera pour Thomas. Thomas. Bah, quand tu verras la figue de la chèvre. Donc, c'est vous à la figue de la chèvre. Lui, c'est Choubnigourat. Donc, c'est la chèvre des bois aux 1000 chevaux. Donc, elle, c'est. Tout de suite, elle fait moins rêver. Elle pop du monstre. C'est ah, elle d'accord. qui a le plus de monstres. Elle arrête pas de popper les monstres. Quand tu pop un monstre, tu peux en popper que un par toi. D'accord. Par action, pardon. D'accord. Elle, c'est illimité. Si elle veut tout sortir en un coup, elle sort tout d'un coup. Ah, d'accord. Donc, quand toi, tu t'es pris la tête à en tuer plusieurs de ces monstres, bah, elle peut tout sortir. Ah. Ah, tu vois, du coup, je. Et elle est surtout là, bah, elle va envahir petit à petit toute la carte, tranquille. Hmm. D'accord, c'est le nombre, quoi. C'est la Russie, voilà. Quoi. C'est l'URSS voilà. De la Seconde Guerre mondiale. Et on a le dernier, qui est un peu bizarre à jouer. Le signe jaune. Signe jaune. C'est Astoria, aussi. Déjà, lui, il a une chose spéciale par rapport aux autres, c'est qu'il a deux grands anciens. Mm-hmm. Et lui, en fait, il va jouer un peu le dans son. Le roi en coin. Jaune ouais. Et. Astur. Lui, il va jouer un peu dans son coin. Et en fait, le rang jaune, il va se balader sur la map et il va déposer des pions de profanation. Le problème, c'est que si on le laisse faire, eh bien, il gagne. Parce qu'il va gagner tellement de points de pouvoir qu'il sera irrattrapable et surtout intuable parce que au bout d'un moment, le rang jaune, il va se balader avec des tas de morvions. Il va se balader avec sa cour. Mm-hmm. Si on connaît le mythe, on voit. On comprend, ouais. C'est ce que j'allais te poser comme question. Tout ça, c'est en cohérence avec l'univers de Lovecraft. Tout ce que je connais, oui. Surtout en cohérence aussi avec le jeu de rôle. D'accord, ok. Mm-hmm. Donc, ça, c'est les quatre factions. Super. De base. Super. Après, on peut acheter au total 5 factions en plus. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse au tour de jeu. Parce que ça, c'est des petites cartes récap. Ça, c'est un petit, voilà, un petit si ça te semble judicieux. D'en parler tout de suite. On va peut-être finir le matos. Ouais, c'est comme tu veux, comme d'accord, ça. Ok. Allez, je mets ça de côté. Donc on va tout pousser. On va tout pousser. Alors. Tu as l'impression que tu fouilles les yeux fermés dans un truc. Ça donc, c'est la piste Doom d'Apocalypse. Ouais. Quand on arrive à 30 points d'Apocalypse, le premier qui arrive, ça annonce la fin de la partie. Donc on finit le tour. On finit notre petite popote et après on compte. Mais pourquoi ça risque une grande. Pourquoi? Parce qu'après tu vas voir que tu as d'autres moyens encore de gagner des points d'Apocalypse. D'accord. Ah oui, d'accord. Okay. Les signes des anciens. Hmm. Parce que dans Cthulhu, il a toujours les signes des anciens. Je dois rentrer. Une race qui. Attends, je dois rentrer chez moi ce soir. Hein. Ouais, tu m'envoies pas. C'est genre. Plein de tentacules. Un truc genre, ah oh, mais c'est dégueulasse. Non, ça va, là, rien qui colle. D'accord, okay. Les signes des genre anciens... Genre une mort en direct sur YouTube. Les signes des anciens, en fait, c'est des points qu'on va récupérer grâce à certaines actions. Oh, c'est... Ouais. Ah, excuse-moi hein, d'être un peu méchant, hein, mais c'est pas... Cali-cali pour moi, ça. Ah. Alors ça, c'est le véritable signe des anciens. Faut peut-être que je sois un peu plus respectueux. Qui a été décidé par H.P. Lovecraft. D'accord. C'est pas en fait celui qui est avec une espèce de d'étoile
avec un Ah nœud au oui, milieu, en fait, ouais. c'est pas ça, Et c'est en le fait, ces cas. runes-là, si on les prononce à haute voix, Surtout pas, surtout pas, voilà, genre. on détruit le Chennai et toute l'île de France, c'est ça? Parce que ça, dans la boîte de base, ils sont en carton. Ah oui, d'accord, oui, donc Ça, je suis c'est en plus. médisant, je suis très médisant Ça, là. c'est en plastique, comme ça, c'est inusable. Ouais, là on est Après, quand il est même. vrai, je suis d'accord avec toi que, par contre, des fois, c'est pas super simple en un coup de voir la valeur. Parce que tu as une valeur de. Ouais, et puis ça fait un peu impression 3D, mais débutant. Mais bon, après, c'est pas, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. C'est précieux, mais bon, voilà, c'est deux types, quoi. Je les remets là-dedans, hein, je les ai un peu, je leur ai manqué de respect. Donc ça, on va les tirer au hasard tout au long de Figurine, la partie. figurine. Et on va passer aux figues. Donc, Ça, c'est bon, je peux le jeter. oui, ça tu peux le jeter. Vas-y, jette. Alors on va commencer, si tu veux, quelle faction? Donc on était On sur va les bleus. avoir, on, comme on va pas pouvoir tout montrer, on va montrer que Toulouse. Qu'est-ce que. Appel à un ami, En qui voulez-vous voir? fait. On va faire les quatre et puis les gens ils choisissent plus Ouais, tard. fourré sauf ouais. Alors Toulouse, par contre, chaque faction aussi a un souci. Ils ont des faiblesses quand même. Ouais. Et Toulouse, sa faiblesse, c'est qu'il n'a pas énormément de monstres. Alors par contre, hein, ils ont fait le choix d'imprimer en couleur, hein, en fonction des couleurs, donc Voilà. le signe jaune et les figurines sont jaunes, Jaune. vermelhes. C'est un peu dégueulasse. C'est un peu Hein, flashy. Mais un en petit fait, ça peu, permet voilà. aussi, pendant que tu te bats, enfin, quand tu es sur la map, de voir Est-ce que tu bien. pourrais avoir l'ambition de les peindre? J'ai tellement de figues à peindre, déjà, il faudrait que je Mais peigne. il n'y a pas que Tulu, si, c'est sûr. Toulouse, il rentre pas dans le sachet. Donc, on a des chogottes. Pour Ouais. ceux qui connaissent, on a des larves de Toulouse. On a des profonds. Alors, je suis désolé parce que la caméra macro, c'est pas une 4K, mais ça vous permettra quand même d'y voir un tout petit peu plus clair. Et puis en plus, ça sort un verre un tout petit peu moins flashy. C'est un verre un tout petit peu plus flashy quand même. Hein. Mais voilà, c'est pas mal. Et on a des cultistes aussi. Les cultistes, c'est pareil. Dans la boîte de base, ils sont différents. Ça, c'est un apport d'un Kickstarter. D'accord. Bon, ils Donc sont ça, c'est tous la. identiques. Okay. Oui, ils sont tous C'est identiques. normal. Bon, après, on est sur un jeu de plateau. On n'est pas Ouais. sur un jeu de figurines. Ah oui. Donc, on arrête de faire les relous. C'est du très beau jeu de plateau. Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. Zgaboum. Ouais, forcément, évidemment. Évidemment. Pour faire le comparatif. Évidemment. Oh, c'est mignon, Non. Alors, c'est pas celui de Légion, hein, c'est Non, celui non, de non. Assaut D'assaut sur sur l'Empire. Empire. Mais oui, évidemment, oui. Ouais. Évidemment. Je vais le montrer sur la caméra du dessus. Comme ça, les gens vont pouvoir en profiter un petit peu plus. Voilà. Voilà, plus de détails sur cette caméra. Voilà. Bah oui, forcément. Excusez-moi. Vas-y, je te laisse continuer à. Ouais, bon, c'est chouette quand même, hein. Donc ça, c'est toute. Ça mériterait d'être peint. Ah oui, mais quand tu vois les monstres en peinture, ce qu'ils font dessus, j'ai pas envie de tester quoi. Mais Non, mais je pense que ça s'exprime vachement bien, ça, hein, un coup de contraste, et puis ça se révèle tout seul, quoi. Bon, après, c'est sûr, hein, si tu fais appel à des pros. Les pros, j'ai demandé, mais les prix étaient. C'est vrai? On peut en parler? Ouais, on peut en Bah, parler, ouais, parce que j'ai rencontré des gens, moi, il n'y a pas ah ouais? longtemps, donc chez Bah, Commander. après, moi, ce que j'avais vu, c'est vrai que c'était super, hein, mais c'était 150 euros la faction. Il y a combien de figurines? Bah, tout dépend de la faction. Mais là, c'était à Ça peu près fait 150. combien la pièce? Ça n'a pas de sens ce que je suis en train de dire parce qu'il y a des différences de taille, mais une fille comme ça, un mec comme ça, il te demandait combien, tu te Ah non, rappelles? moi, il me parlait justement en Ouais. faction. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça fait 15 euros la figue. Non, sachant que ça c'est facile. Partant du principe que ça, c'est facile. C'est en moyenne les prix d'un professionnel. De peinture, ils voyagent entre 13 et 15 euros la figurine. Et comme on l'avait fait remarquer, le mec il met 10 ans à ce que ça lui prenne 15 euros la figurine. Hein, Ah donc bah oui. faut Ah respecter non, ça. non, après moi là, pas Mais de problème, ouais, j'ai alors après, c'est respecté sûr le. que ayant beaucoup de factions à peindre, tu es obligé de sortir. Voilà, Euh, ouais. ouais, Donc c'est c'est pour pas ça envisageable. que. Ok, parenthèse fermée. Figurine largement acceptable pour un jeu de plateau. On sort les monstres, les big boss de chaque faction. Alors bah déjà, on va
montrer ça, c'est pas le Big Boss, c'est un sombre rejeton. D'accord, on dirait un cul avec des tentacules. Ah bah de toute façon, c'est Cthulhu, hein, donc là de la tentacule, là du baveux. T'as de la tentacule. Voilà. Là du crado, hein. En elle général, est... les monstres sont, elle est sont la... assez moches. Elle est où la tête-tête ? Il est où le cul-cul ? La tête-tête, elle est là, je crois. C'est qui celui-là ? Lui, c'est un sombre rejeton. Tchoumigorat. Ça, c'est mon perso, mon monstre préféré. Ouais, il a de la trogne. Ça, c'est Nyarlathotep. Ah oui, d'accord, lui, il a pas de tête du tout. Voilà. Non plus. Il est dans une de ses formes de la langue sanglante. D'accord, ok. Nyarlathotep, il a 1000 formes, pour la petite histoire. Bon, ça m'a l'air quand même assez respectueux de l'univers. Ça me fait un peu peur, moi, du coup, mais parce que j'imagine que quand on connaît bien l'univers de Lovecraft, on est vite dans l'identification. Mais il faut voir. La chèvre. D'accord. Ah oui, la fameuse chèvre qui pond à tout va. Effectivement, ouais. On dirait un Mirmout, on dirait un Yorkmout de en général, dans le jeu, en fait, elle est dans un nuage qui est perpétuel. Voilà, alors après, vous nous en voulez pas, mais comme on est sur des figurines plastiques monochromes, on a du mal à être dans le contraste. Hein. Ah oui, c'est normal. Et puis... Le rang jaune. Ah oui. Ah oui, là déjà, on est plus sur quelque chose de... Bon, c'est quand même de la très 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 bonne figue de plateau. Hein. Ouf. Et ça, c'est... Perso, c'est la plus belle, je trouve. C'est Astor. Ouf. Ah ouais, non, mais celle-là, en fait... alors, attends, on va changer de caméra, mais alors, celle-là, elle mériterait... Ah, celle-là, carrément, elle mériterait... Ouais. C'est... Ouf. Ah ouais. Magnifique. Et bon. Puis, tous les peintres que j'ai vus, hein, ils ont fait des trucs de fou. Ouais. Là, c'est aéro et c'est la fête, quoi. D'accord. OK. Donc, il est vrai, tu vois, quand tu sors ton petit Astor, ça fait son petit effet. Ouais, c'est genre, bon, alors ça y est, je peux le sortir. Puis tu dois attendre que ça, en plus, dans la partie, genre, putain, je vais le sortir ou pas. Limite, si je tape une partie que t'as... Alors, est-ce que ça arriverait, t'as peu d'expérience dans le jeu pour l'instant, t'as pas beaucoup fait de parties. Si, j'en suis à une trentaine de parties. Ah ouais, mais comment c'est possible, alors que tu as reçu le Kickstarter il y a peu? Ah non, ma première campagne, je l'ai eu il y a 2 ans. Et maintenant, j'ai petit à petit, là, j'en ai une nouvelle. Complètement à la rue, ouais. C'est ça le problème des Kickstarter, c'est que... Non, au total, de tout voir, ils ont fait 5 campagnes. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, ok, bon, oui, je suis à la rue. Ouais. Et ça arrive qu'à la fin d'une partie, t'aies pas réussi à sortir toutes tes bestioles? Ah, vaut mieux pas que ça t'arrive. Oui, ça veut dire que c'est mal passé. Ça doit être ça foiré. D'accord. En général, Cthulhu, il faut le sortir au deuxième tour, grand maximum. Mm-hmm. Sinon, limite, t'as perdu. D'accord, ok. Bon, bien. D'autres choses à montrer? D'autres figues encore? Non, je vois, je vois ça là, oui. Alors, il y a, comme je disais, des portails à contrôler dans le jeu. Mm-hmm. Dans la boîte de base, ils sont en carton fin. Ah ouais? Là, t'as des portails. On va la laisser, celle-ci. Ouais, elle est belle, celle-là, elle l'aime bien. D'accord. Donc, ça, c'est pareil, ça, on va se battre tout au long de la partie pour en avoir un maximum. Parce que c'est ça qui va nous permettre de gagner des points d'apocalypse. Et quand tu le contrôles, bah, tu mets ton petit cultiste dessus. D'accord. Parce que c'est le seul personnage du jeu qui peut contrôler des portails. D'accord. C'est les cultistes. Bon, vous inquiétez pas, on papote autour du jeu, on fera une partie, on fera un let's play, donc vous comprendrez un peu mieux les phases à ce moment-là. Un petit fungi. Migo. Les dés sont également propriétaires, apparemment. Alors, les dés, là, par contre, c'est un peu le point faible, parce que je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort. C'est que dans la boîte de base, en fait, c'est des dés de 6. Ouais. Et en fait, ils expliquent que le 6 est égal à une face, le 4-5 est égal à une autre face, et le 1-2-3 est égal à une autre face. Mais sinon, ils vendent des dés spéciaux qui correspondent à ces faces. D'accord. Le 6, c'est cette face. D'accord. Le 4 et 5, c'est la face de la griffe. Ah oui, d'accord, ok. Oh là, oui. Et le reste, ça, je trouve ça dommage, ils auraient pu
ou faire un petit effort pour directement donner. Oui, va falloir s'habituer. Il y a un petit temps d'adaptation alors au niveau de la lecture des résultats. Quand on a juste la boîte de base, oui, c'est un peu plus. D'accord. Ok. Bon, joli quand même. Hein. Oui. On a le jeton premier joueur. Oh, c'est chou. Oh. C'est moi, je suis voilà un petit référence, un petit clin d'œil au boss. Mort dans le désœuvrement le plus total. Voilà. Et ça, c'est une dernière piste. La piste de rituel. D'accord. Car dans le jeu, on peut faire des rituels qui vont nous permettre de gagner encore des points d'apocalypse. C'est des choses qu'on retrouve dans tous les univers de Cthulhu, ça. Ouais, ouais. D'accord. Bon, on a fait à peu près le tour. Oh. Ouais, parce qu'on n'a pas sorti toutes les figues. Les figues, bah, sinon on y est encore. Ça donc c'est Nyarlathotep, c'est cultiste. Alors faut pas oublier que Nyarlathotep c'est le pharaon noir aussi. Mm-hmm. D'où pourquoi ces cultistes sont plutôt en mode pharaon. Ça c'est une maigre bête de la nuit. D'accord. Ouais. Encore des tentacules et des. Attends, je vais les. Hop, on va passer par là. Ça, c'est des polypes volants. Des polypes, comme les polypes intestinaux. Bah oui, bah regarde bien, oui, ça ressemble un peu, tu vois, c'est bien. Tac, et tac. Ah, c'est prêt pour nous abonner. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Très bien. Et les horreurs chasseresses. Mmh. Oui, qui sont des choses qu'on croise plus ou moins dans les autres jeux. Je vais remontrer ces choses-là au passage. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde les phases de tour. Ouais, les phases de jeu. Je vais remontrer ça au cas où il y a des gens qui ne l'aient pas vu. Si. Bon, c'est quand même badass. Non. C'est quand même vrai hein, qu'ils sont presque à la taille de Légion, hein, ceux-là. Mais bon, là, on diverge. Et diverge, c'est beaucoup. Oh là là. Fais gaffe, tu vas aller dans une autre dimension, toi. Des proches. Allez, tour de jeu. Ah, les tours de jeu sont assez faciles. Je la garde, celle-là, pour moi, c'est okay. Pour filmer. Donc, une phase d'action, une phase de collecte du pouvoir, une détermination du premier joueur et une phase d'apocalypse. Extrêmement simple. Ouais. À la phase d'action, bah, tu vas faire une action de ta faction. D'accord. Soit c'est une action qui est commune à tout le monde. Ouais. Toutes celles-là. Soit alors, chaque faction a aussi ses actions spéciales. D'accord. C'est pour ça que le tour de jeu peut paraître simple, mais en fait, en rapport avec ta faction, ça se complique. Donc, dans ta phase d'action, tu fais une action. Une fois que tu l'as faite, et une fois que tu as payé donc des points de pouvoir, ça va être au joueur à ta droite ou à ta gauche. D'accord. Il va faire une action, ainsi de suite. Après, ça va revenir à toi, tu vas refaire une action. Toujours ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs arrivent à 0 point de pouvoir. D'accord. Donc, une des clés de la réussite, c'est que tous les autres joueurs ont 0 point de pouvoir, et toi, il t'en reste. Comme ça, tu peux faire ce que tu veux. On avait compris. Alors, comme action, tu peux ouvrir un portail, grâce à tes acolytes. Tu peux avoir qu'un seul portail par zone. Tu te déplaces aussi des unités. Donc, tu te déplaces tac-tac. Voilà. Toujours dans des zones adjacentes. D'accord. Tu engages une bataille. Tu engages une bataille, oui. Donc, il faut... Alors, par exemple, c'est un mauvais exemple. Oui. Car pour engager une bataille, il faut forcément qu'un monstre a au moins un dé d'attaque. Car tu as certains monstres qui n'ont pas d'attaque. Ouais, tu pouvais ne pas le dire. C'est pas grave. Non, mais si, on rigole pas avec ça. Non, d'accord.
Donc lui, il est là, par exemple. Il faudrait déjà se déplacer dans sa zone à lui. Voilà. Donc c'est une première action. Une phase d'action. Tous les autres peuvent agir. Et après, on attaque. Et après, tu Genre, en gros, tu viens chez lui et lui, sa phase d'action, c'est de t'attaquer. Ah, il peut t'attaquer. Hein. Voilà, donc il t'attaque avant. Et du coup, j'imagine qu'il a des bonus parce que c'est lui qui attaque. Pas nécessairement. Pas nécessairement. L'attaquant n'a pas forcément des bonus. D'accord, ok. Ouais. On peut être plusieurs sur sa petite sur zone. Sur les zones. Voilà. Ah, ouais, j'imagine que si on est deux et que moi je viens tout seul, c'est mal parti pour ma gueule parce qu'il y a du soutien. En fait, tu mauvais exemple. Tu vas additionner en fait, tous les dés de combat, tous tes monstres. Ouais. Donc, tu as des monstres, comme je disais, qui ne lancent pas de dés de combat. Ouais, ouais. Et par contre, les braves grands anciens, eux, ils vont lancer un paquet de dés. Ouais. C'est un peu, c'est Warhammer 40k, il faut des brouettes ou pas forcément Par exemple, Nyarlathotep, il peut lancer 12 dés. Redis-le voir. Nyarlathotep, il peut lancer 12 dés. J'adore ce Nyarlathotep. 12 dés, ah oui. 12 dés, juste lui. Après, ses autres monstres. Donc, et une réussite, c'est quoi à peu près dans le jeu? C'est 4 réussite. 4-5 Oui, 4-5, tu commences à faire une réussite. Et puis 6, tu fais un critique. Voilà, ok. Ça a l'air assez clair. Recruter un acolyte, poup, c'est popper un trou du cul. Invoquer un monstre, c'est poup, en sortir un plus sympa. Et réveiller grand-papy. Voilà. D'accord. Et pourquoi c'est des X, ces deux dernières actions-là? Invoquer un monstre, tout dépend du prix du monstre. D'accord, ok, très bien. Parce que tu as des monstres qui vont coûter un point de pouvoir, comme coûter 3 points de pouvoir. Très clair. Collecter du pouvoir, donc là du coup je remonte ma barre d'énergie, un par adorateur, donc plus j'en pop, plus tu as d'adorateurs, plus je vais avoir de trucs, deux par portail contrôlé, d'accord, ok, un par portail abandonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai poussé le mec qui était dedans, mais j'ai pas encore pris le portail? Voilà, disons que tu as des situations des fois où tu vas avoir l'acolyte qui est dessus qui va mourir, qui est pas le mien, voilà. Divers et variés, et à la fin du tour, ça va rapporter un point de pouvoir. Everybody. Ok, d'accord. Pour tous les joueurs. Et puis un par adorateur sacrifié. Adorateur sacrifié, pourquoi? C'est subtil. Il y a une toute petite règle assez simple, c'est qu'un pauvre adorateur donc ne peut pas se défendre. C'est vrai. Voilà. Quand tu as un monstre adverse qui arrive chez toi. Ah ouais, tu dis tiens, je vais le sacrifier. Tu le captures. Ça sera plus tard que tu vas pouvoir le sacrifier, pas tout de suite, mais tu peux le capturer. Pour éviter qu'il soit capturé, il suffit que tu aies un monstre. Un monstre, garde. Ouais, d'accord. Voilà. Si j'arrive dans un endroit où il y a trois types et il n'y a personne, on les embarque. Tu vas les embarquer petit à petit. Ah, c'est chaud. Ah non, on n'en embarque qu'un à la fois. Oui, d'accord. À la fois. Et par contre, toujours dans cette idée de capture, donc les monstres ne peuvent plus capturer un adorateur s'il a un autre monstre, mais bien sûr... Lui, on a toujours le grand ancien qui peut lui capturer même s'il a des monstres. D'accord. Okay. Par contre, il ne peut plus capturer s'il a un autre grand ancien. D'accord, ok. Super. Augmenter jusqu'à la moitié du score de la faction au plus haut pouvoir. Ça veut dire quoi ça? Alors, quand tu vas déterminer le premier joueur, en fait, tu vas compter le nombre de points de pouvoir qu'a les joueurs. Mm-hmm. Celui qu'on a le plus, c'est le premier joueur. Simple. Ah ouais, tu peux décider de rejoindre ce niveau-là? Alors, pour éviter qu'un joueur soit complètement à la ramasse, parce que ça peut arriver. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire écraser et qu'il ne me reste plus que lui sur la map. J'avais tout perdu. Pour éviter d'être trop dans le vent, tu récupères jusqu'à la moitié de ce qu'a le meilleur joueur. Voilà. Détermination du premier joueur, phase de l'apocalypse. Donc, la phase d'apocalypse, tu vas compter donc... Un point d'apocalypse par portail que tu contrôles. Mmh. Donc tu vas gagner un point sur notre magnifique... La Doom Track. Donc tu vas gagner un point par portail. Mmh. Et après, tu vas pouvoir faire un rituel. Chaque joueur peut lancer un rituel et obtenir plus un point d'apocalypse par portail contrôlé. Et plus un signe grand ancien par grand ancien de faction. Voilà. D'accord. Donc en gros, si pendant un tour, j'ai fait un super tour, j'ai eu 6 portails, le maximum que je peux avoir, vu que tu peux avoir que 6 acolytes. Donc je gagne 6. Je fais un rituel, donc je regagne 6. Et en plus, j'avais mon grand ancien, je vais gagner
un signe des anciens qui peut me faire gagner de 1 à 3. Donc, au maximum, je peux avoir, tu as 15. Ça m'a l'air de monter vite quand même. 2h30 bah, disons que tout, ouais, parce que tout n'est pas si simple, quoi. Tu joues pas tout seul. Oui, parce que si tu vois qu'un joueur il a 6 portails et qu'il contrôle, faut pas le laisser faire. Sinon, c'est sûr que là, c'est du billard. D'accord. Eh ben nickel. Voir les règles, en tout cas. Très rapidement, les règles qu'on... Ouais. Tu vois, comme quoi, les tours... Ouais, la petite carte tour de jeu, c'est vraiment le truc qui va bien. Moi, j'ai déjà le sentiment d'en comprendre un petit peu plus. Et après, chaque faction a ses petites subtilités. Ouais. Ça, on y reviendra quand on jouera, je pense. Hein, parce que là, ça va pas forcément... Juste nous expliquer rapidement, ça dépendait justement de la faction qu'on prenait. Hein, la notion de subtilité, on en est une là, combat dans ces 1 dé de moins que le nombre de morts vivants dans la zone. Exemple, 4 morts vivants, on lance 3 dés au total. Explique-nous voir ça. Alors, ce qui est très bien aussi, déjà, on peut voir qu'ils mettent des exemples. Ouais. Donc, on n'est jamais perdu. Ouais. Ça, faut le dire quand même que c'est plutôt pas mal. Et les textes sont assez clairs, je trouve. Quand c'est rouge, c'est bleu, c'est quoi en fait Quand c'est rouge, c'est dans les combats. Ouais. Voilà. Et après, quand c'est jaune, c'est les petites compétences du grand ancien. Ah d'accord, ouais, donc lui, il a profané et vengeance. D'accord. Action coûte 2, d'accord. Donc ça, c'est profané. Si le roi se trouve dans une zone sans pion de profanation, lancez un dé et comparez le résultat au total de vos unités dans la zone. Roi y compris. Et sur un résultat inférieur ou égal au nombre d'unités, placez un pion de profanation dans la zone. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que va me faire ce pion de profanation ? À la fin, au moment de collecter du pouvoir, si tu as un monstre dans la même zone qu'un pion de profanation, bah, tu vas gagner un point de pouvoir en plus. Ouais, génial. D'accord. Donc plus ça va, plus le signe jaune, il va en avoir. Il y a plein de façons de jouer et donc de gagner différentes, quoi. Disons que tu as plusieurs façons de jouer. Après, pour gagner, tu as toujours le même type. On est d'accord, voilà. Mais je veux dire par là, pour atteindre cet objectif-là, soit je vais plutôt dans la stratégie de la construction, obtenir des points de profanation, des choses comme ça, je prends mon temps, je vois que personne ne s'intéresse à moi, donc je fais ma petite vie, parce que forcément, avec une partie où tu es à 4-5 autour de la table, il y a toujours un qui est plus ou moins abandonné, puis tu sais, qui fait sa petite vie, quoi. Ah ben ça, il se fait vite repérer, mais... C'est un jeu de chouineur, de toute façon. Ça, ouais. C'est clair que tu vas toujours avoir des joueurs qui vont dire « Mais non, c'est pas moi le plus fort, ouais, c'est lui, ouais, arrête, va l'emmerder. » Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, moi, je suis mais rien, tu vois pas, il est en train, voilà, de... Ouais. Il est en train de gagner, ouais. Mais ça, c'est sûr. C'était un peu ma question aussi, la question qui venait après. Est-ce que ça peut arriver qu'un joueur se retrouve à perdre trop tôt dans la partie? Du coup, le mec, il est dégagé, quoi. C'est fini, il regarde les autres finir la partie. Non, ça va. Non, si ça c'est va. Vraiment... Si les joueurs jouent intelligemment, non. Parce qu'il peut avoir l'effet, le mec est en faiblesse, déjà, je vais encore le plus le tuer. Déjà, il y a le truc de rattrapage, là. Déjà, là, le rattrapage. Et en même temps, moi, ce que je dis, c'est que attaquer quelqu'un qui est dans la merde, ça sert à rien. Il faut attaquer celui-là qui est dans le... Faut limite un espèce de... Pas de MJ, mais un mec qui connaisse bien le jeu, puis qui raisonne les gens en disant, non, attendez, là, vous êtes en train de vous attaquer à quelqu'un qui a... qui est dans la pénate, par contre l'autre à côté il va nous branler la tête dans deux tours, quoi. Sans compter que là, le côté vu qu'on fait les grands anciens, ou dès certains grands anciens, dès qu'ils dépassent un certain niveau, on va dire, ils sont inarrêtables. Ouais, c'est ça, voilà. ils roulent sur la table. Ouais. Donc là, cet effet là, oui, où faut connaître les autres factions aussi, c'est ça tout le sel du jeu aussi, c'est bien jouer avec sa faction, savoir les autres factions comment elles réagissent pour pouvoir les stopper au bon moment. D'accord. Voilà. Là derrière nous, c'est quoi ? Ça par exemple, c'est une boîte. Je prends celle-là ? Alors dedans, la passe qui est marquée sur cette boîte. Ah ! C'est ça tout le piège. Bravo Kevin. Oui, alors pourquoi ? Parce qu'au total, j'ai 38 kilos de matos. Au total, j'ai reçu. Donc dans les 38 kilos, bien sûr, j'ai fait. Madame est contente. Je dors avec des boîtes. C'est-à-dire que là, ici, là, il n'y a pas tout en fait. S'il a tout, mais j'ai tout rassemblé en quelques boîtes. Mais effectivement, il n'a pas tout en plus. Donc là, les anciens, c'est une nouvelle faction. Ça, c'est des extensions. Voilà. J'ai peut-être pas pris la meilleure. En fait, le problème, c'est que dans la boîte des anciens, il n'a pas les anciens.
Mais on va regarder. Oui, non, non, mais c'était juste pour montrer à peu près ce que tu avais comme extension. Mais oh là, oui. Oh. Oui, là, c'est. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un dôle. Bienvenue dans Dune. Hein? D'accord. Dans une boîte d'extension, il y a quoi normalement? Là, on comprend que toi, tu as réorganisé ton Voilà. petit monde, en fait. Hein, nous en voulais pas. Mais qu'est-ce qu'on devrait trouver dans une boîte d'extension? Est-ce que tu en as une qui est dans son état nominal? Non, malheureusement, non. Non, malheureusement, non. Mais vas-y, on va raconter. Alors, dans une boîte d'extension de faction, tu as tout ce qu'il faut pour jouer avec une nouvelle faction. D'accord. Ok. Donc, tu as. Donc, on est bien d'accord, une nouvelle couleur Oui. de figurine. Hein? Ok. Et donc, tu as tout ce qu'il Donc, on va faut. se retrouver Tiens, avec une retourne nouvelle voir. Oui. carte comme ça. Ça, tu peux retourner la boîte. Ah, bah, très bien. Ah, bah, voilà, oui. Ok. Voilà. Ok, ouais, d'accord. Bah, voilà. Donc, un livre de règles qui est en rapport avec la faction. Pourquoi il y a des règles additionnelles qui vont aller en fonction de la faction? Dans le petit bouquin, ouais, il a toujours des petites règles en plus. Et tu as aussi un aide de jeu qui va D'accord. t'aider à comment jouer cette faction Ah ouais. et aussi comment la battre. Ah ouais. C'est bien fait. D'accord. Et il y avait ça pour les autres dans Oui, la boîte de... aussi. Ok, d'accord, super. Mais en tant que propriétaire du jeu, bien sûr, je la monte pas ces pages. C'est Oui, que pour tu les moi. lis toutes. Voilà. Mais les autres, non, 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 non. Voilà. Perfide! En sachant quand même pour la petite anecdote, c'est ils disent dans la règle, si à un moment vous voyez qu'il y a un flottement dans les règles, vous savez pas trop, faites un vote autour de la table, en Ouais. sachant que le propriétaire du jeu compte deux. J'adore. Des petits trucs comme ça. Bon, le plateau de faction, on est Voilà. d'accord. Les grimoires qui Les vont avec, grimoires, forcément. Les pions de pouvoir, on est d'accord. le pion Apocalypse. d'Apocalypse, Ouais. la glyphe de faction. Ouais. C'est un petit jeton en carton qui va te permettre, car les nouvelles factions, en fait, certaines étaient déjà prévues dans le jeu de base, mais d'autres, en fait, peuvent s'installer n'importe où sur la map. Donc, pour savoir où ils apparaissent, on met un petit jeton. Voilà. D'accord. Et donc, les figures. Là, il y a 19 figurines. Ouais. J'imagine que chaque faction n'a pas forcément 19 figurines. Il y en a qui ont plus ou moins de figurines hein, en fonction des points. Parce que, elle, cette faction est un peu spéciale. Elle a quatre figurines de cathédrale. C'est carrément des cités que tu construis. Elle est chouette cette faction. Là, j'ai pris au hasard, mais je suis pas mécontent. J'aime bien ça et j'aime bien. Par contre, elle est un peu spéciale par rapport aux autres parce qu'elle n'a pas de grand ancien. Ouais, c'est ce que je remarque. Donc, pour dire à quel point chaque faction diffère vraiment des autres. D'accord. Donc, tu vas vraiment jouer différemment. Tu ne vas pas avoir les mêmes soucis et les mêmes bonus par rapport aux autres. On est d'accord que... Est-ce que tu vois d'autres choses à dire dans cette première vidéo sur le jeu, puisque on en refera? Est-ce que tu vois d'autres choses à raconter comme Non, ça? ça va, je crois que ça va C'est pas aller pour mal. C'est nos pas mal. pauvres acolytes, je crois que ça va être suffisant. Non, non, mais c'est intéressant. Donc moi, ce que je voudrais juste conclure, c'est, si j'ai bien compris, donc le Kickstarter est réouvert. Tout ce qu'on vient de montrer là, tout ce que toi tu as, c'est disponible dans le nouveau Kickstarter, Oui. dans le Kickstarter en cours. Et là même des bonus encore. Il y Parce en a des choses en qu'elle a plus. encore des choses en plus. Et du coup, là, t'es... Ah ben là, c'est bon, j'ai commandé. Ah ouais, ça y est, C'est c'est bon, vrai? c'est bon. Ah, oh, t'es un fou. Et tu recevras ça quand? Ouh là là, si tout 6 se ans. passe bien. Non, si tout se passe bien, fin de l'année. D'accord. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai quand Enfin même du bon. mal avec ça. Mais on en reparlera du système Kickstarter Ouais, quand on fera la fin. on en parlera dans un de nos lives. Hein. Je pense qu'on va te donner la Je pense parole. qu'en fait, des fois, c'est un faux problème. En fait. Moi aussi, D'accord. j'avais un peu cet a priori de me dire, ah, je vais attendre 2 ans, mais en fait, c'est pas si différent que des fois les attentes qu'on a pour un jeu classique qu'on Ah, parce achète en qu'on boutique. va refaire des Ouais. cantinas avec l'équipe que vous avez vue la dernière fois, et puis chacun aura plus ou moins son petit sujet. Et Kevin, il a envie de vous parler de ces choses-là, donc on va lui donner la parole sur ces Voilà. sujets-là. On est d'accord que ce Kickstarter qui est ouvert, lui, par contre, est intégralement en anglais. Donc quand on dit que c'est intégralement en anglais, le livre de règles est en anglais, mais également toutes ces petites cartes-là, toutes les cartes, tout est en anglais. Tout Hein, sera en anglais. d'accord. Il n'y a aucun moyen de récupérer le français en PDF. Si on va sur la communauté Tool War, Underground, non, ouais. non, sur Facebook, là tous les PDF en français. Oh bah Donc alors là, là je sais tout ce pas. qu'il faut. Et est-ce que je peux parler du truc qui fâche? Mais vas-y, vas-y, vas-y. Un all-in, c'est combien? Là tu fâches, Elle là. Non. est pas là.
J'avais vu un truc qui était génial sur Internet. C'est le mec qui disait « Ma plus grande crainte, que ma femme revende les jeux le prix que je lui ai dit que je les ai payés. » Ah ben là, disons que pour l'instant, il y a des gens donc, qui reçoivent la dernière campagne de Cthulhu War. Ouais. Et certains ont peur que ça soit leur femme qui ouvre le carton. Quoi. Ouais. Bon, le carton, il fait dans les 15 kilos, donc tu te poses la question. Le all-in... Alors, attends, déjà la boîte de base. La boîte de base, ouais. Si on la trouve dans le commerce, elle est à 180€. D'accord, ça fait quand même un petit investissement. Ouais. Après, c'est un univers qui est tellement particulier que ça fait appel à une frange de la population ludiste qui est quand même pas dans l'adoration, mais qui sait ce qu'elle achète et qui rentabilise ce qu'elle achète. Ah bah, de toute façon, il ne faut pas se mentir, c'est un jeu qui peut exister que grâce à Kickstarter. D'accord. Sinon, c'est impossible qu'un jeu à ce prix-là, un jeu de plateau... Et la rejouabilité pour toi ? Ouais, immense. Ouais. Franchement, là, je suis à 30 parties. T'as jamais le sentiment d'avoir vécu les mêmes dénouements ? D'accord, ok. Non, le jeu, assez. Par contre, bah, c'est vrai qu'il est cher. Parce que chaque faction, c'est à peu près 45€. Mais en fait, surtout, la grande difficulté, c'est de le trouver. C'est ça, en fait. Parce que j'ai fait mes petites recherches. Tout ce qui est Philibert, tout ça, ils vendent plus. Donc tout ce qui est boutique, si vous trouvez la boîte de base, c'est un miracle. Quoi. Jamais vu, moi. Voilà. Donc il faut vraiment profiter de ce kit, quoi. Voilà. Les prix sont les mêmes sur le kit, là, en ce moment La boîte de start, si je veux acheter la boîte de start. Disons que la boîte de start va être un peu moins chère, mais vu que tu payes le frais de port, vu le poids du bestiau, tu vas payer quand même une petite fortune de frais de port aussi. Donc ça doit revenir plus ou moins. Et sinon, le all-in Le all-in, franchement, je pense que sans mentir, il doit être un bon 800€, je pense. C'est ça. Bon, voilà. Ouais. Et encore, c'est peut-être en prenant pas tout. D'accord. Ça comprend l'avocat. Et la pelle. Après, on peut le trouver aussi, là, un peu de vente en... Il y a des mecs qui, comme d'habitude, Kickstarter, qui revendent directement. Oui, mais ils se font pas trop de bénéfices dessus. Ouais. Donc, ouais. Ça va, ça reste. Ça reste raisonnable. Ils vendent peut-être même à perte, j'imagine. Un petit peu. Bah, après, le problème, c'est qu'ils vendent tout en fait. D'un ouais. Mais bon, faut soutenir les Kickstarter. Je pense que ils le méritent. Eh ben, écoute, merci. Mais merci. J'espère que mon explication a été assez claire, que je me suis pas trompé. Pense qu'on a tapé large. On a raconté tout ce qu'il y avait à raconter sur le jeu et que. On a permis de dégrossir un petit peu ce qui se passait. Et de toute façon, ceux qui sont intéressés, on leur a promis une partie. Alors moi, je suis déjà en train de m'arracher les cheveux sur les axes de caméra qu'il va falloir choisir. Mais parce qu'il faudrait une caméra par plateau. Mais bon, on fera des choix. On mettra peut-être une caméra sur ton plateau à toi, puisque tu sais bien jouer et mieux jouer que nous. Peut-être pas besoin de voir les plateaux des mecs qui galèrent. Et puis une caméra sur ce plateau principal. Mais en tout cas, je te remercie de nous avoir présenté ce que tu dois voir. Moi, ça me tenait à cœur de toute façon. Et puis, de toute façon, on reparlera de tous ces jeux-là, de tous ces Kickstarters. Tiens, regarde, on va se faire passer comme ça. Et puis, hop, on va dire au revoir comme ça. Voilà. Oui, de toute façon, on reparlera de Kickstarter sur la page, puisque Kevin a une petite expérience sur le sujet. Tu en attends un prochain dans peu de temps. Oui. On spoil Rallyman GT. D'accord. Alors là, c'est complètement différent. C'est de la course de bagnole ? Oui. Putain, alors là, moi, tu me fais kiffer. Et c'est un all-in à 100€. C'est vrai ? Donc, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Ça arrive quand ? Et lui, on peut le trouver en boutique, en plus. On pourra le trouver en boutique. D'accord. Et t'as reçu déjà le truc du Colissimo, ben, un mail, voilà, de Colissimo. Donc, tous les jours, tu refresh sur ton téléphone pour savoir où c'est qu'il est, c'est ça ? C'est la maladie du mec qui a fait le Kickstarter. Il arrive quand il arrive. Ça doit arriver peut-être la semaine prochaine, avec un peu de chance. Nickel. Eh ben, écoutez, ce qu'on fera, c'est qu'on proposera ce jeu-là également... en présentation, unboxing, et puis surtout également en partie pour les deux. À très bientôt. Merci à tous. Des bons jeux, des bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour défoncer la tête de Pierre Bosque. Allez, salut. À très bientôt. Ciao.